Et salut à toi, mon seul et unique viewer, et bienvenue sur l'épisode 5, si je m'en souviens bien, de Terraria Journey's End. Alors, dans le dernier épisode, et pas ma voix, c'était quand même un épisode tout de même assez important, hein. J'ai tué l'œil de Cthulhu, ce qui est quand même pas si mal que ça, et bah y a pas ma voix, donc ouais. Bruh, un peu. Alors, cet épisode sera focus autour de... je vais essayer de tuer d'autres boss, du coup. Hein. Je vais essayer de tuer le King Slime. J'ai toujours pas de... J'ai pas trouvé de rubis pour l'instant, donc j'ai pas de... Je peux pas crafter... comment dire... Je peux pas crafter de Crown Jelly. Et j'essaie aussi de faire le dévoreur de monde. Mais pour faire le dévoreur de monde, il faut... Enfin, idéalement, il me faut le lance-météorite, le canon à étoiles. Du coup, il me faut une météorite, et je sais pas du tout pourquoi il n'a toujours pas apparu. D'ailleurs, je dois checker pour voir sur le wiki. Ok, non, c'est seulement sur mobile, console, vieux console et 3DS qu'il faut péter un Shadow Orb. Là, il faut tuer le... Ouais, donc ça va pas le faire. En gros, ça va pas le faire. Mais il me faut des armes qui percent. Et des armes qui se percent, j'en ai pas beaucoup. J'ai acheté le mini shark. Et il me faut juste des balles, genre des... C'est quoi les balles qui percent? Ok, pour l'instant, pas de balles perçantes à notre portée. Par contre, cependant, on a une arme qui est perçante. C'est ceci. C'est le mythique. Il est ultra mythique, ultra deluxe édition. Donc, et... Ah merde, j'ai pas gardé les Thorn Veil. Les Veil Thorn. C'est pas si grave que ça. Il me faut du silver aussi. Si j'ai beaucoup de silver. Ah, j'ai tout utilisé, oui. Tout utilisé pour l'armure. Maintenant, j'ai une défense. Faut savoir qu'avoir plus de défense en Master Mode est plus avantageux que dans le Deuxième Mode parce que le pourcentage est réduit. Et est réduit d'une façon plus considérable. Dans cette. En master mode, du coup. Donc, ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais aller miner. Je vais les miner pour toutes sortes de ressources. Et je vous revois à la fin du timelapse. On y va, c'est parti. Voilà, j'ai miné pas mal de silver et j'ai trouvé un seul rubis, ce qui me donne un essai pour le King Slime. Et un diamant aussi, donc c'est pas la folie, mais au moins j'ai trouvé un rubis, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vais pouvoir me crafter une couronne. Tac. Et il faut le faire sur un hôtel. Et l'hôtel le plus proche, je sais pas du tout où il est. Bon, on y va, hein. Voilà. On rentre. Et je vais l'utiliser dès que je me serai bien équipé en matière de potions. Voilà, je suis paré,
J'ai ces 4 potions et je pense que je suis prêt. On va essayer. Ah oui, mon argent. On stack tout. Excellent. Voilà, premier fight de la journée, je vais probablement la perdre. Mais en vrai, c'est pas si grave que ça. Voilà. Oui, on le défonce. On le défonce. Ça s'est avéré. Ah oui, j'ai pas pris les mana rigène. C'est pas grave. Ouh, il fait mal. Oh le bonhomme. Il fait mal, hein. Ça, il fait mal. On est un master bot, faut pas oublier. Aïe. On prend un peu cher, mais c'est pas grave. Faut se débarrasser des larbins immédiatement. Ça fait tellement mal les larbins, surtout ceux qui sont ceux à pic. Heureusement que notre truc en diamant, notre staff en diamant, il est mythique. Hein. Heureusement qu'il est mythique. Ouais, c'est dans la poche. C'est ce qu'on dirait dans la poche. Je pense que j'ai même overbuffé. J'ai pas besoin d'autant de potions. Mais bon. Ouais, c'est pas si grave que ça. Alors maintenant, on a le relique du King Slime. Excellent. On va le poser juste là. Non, je sais. On va les placer côte à côte. Voilà, c'est tout beau. C'est magnifique, c'est en or. Ça flotte. On peut pas interagir avec. Non, ok. C'est purement décoratif. Mais c'est très beau. Hein. C'est très beau. C'est un énorme, un excellent trophée. Le sac nous donne deux trucs de ninja. Ninja ont été changés. Le stuff de ninja a été changé. Ah oui, et j'ai vu. Le minimap. Voilà, on peut le changer. Valkyrie, Retro, Leaf, Twig Leaf, Stone Gold, Styx, Remix, Golden et Default. Je vais mettre en Leaf parce que moi j'aime bien quand c'est ouvert. Alors on a le Royal Gel, toujours aussi nul, c'est pas ouf quoi, c'est nul, donc 3 défenses, ça c'est 2 défenses, donc techniquement, ça c'est mieux, et vu que ça c'est purement décoratif, je peux voir le temps juste en le mettant dans mon inventaire, voilà. Pourquoi j'ai 33? Ah oui, parce que j'ai ça, bon, défense par 8. On a le solidifieur pour faire des maisons en slime. Et un slime gun. Voilà, ça sert à rien. C'est pas grave. Donc, comme je disais, les ninja shirts, enfin, le stuff de ninja, c'était augmenté pour faire en sorte que
ça fait des critical strikes, des trucs de des coups critiques plus fréquents. C'est toujours de la merde hein, comparé à ben, mon armure en silver qui me donne beaucoup plus de défense, je crois. Le pantalon il donne 3, celui-ci donne 3, le short il donne 4, celui-ci. Ah. Si j'avais le set complet, je le porterais peut-être. Hein, parce que ça nous enlèverait le. Ça nous enlèvera le 3 de défense supplémentaire, mais c'est 3 plus 3 plus 3, c'est 9% de critical strike en plus. Mais bon, on va le vendre. On va le vendre parce que, quoique non, on va pas le vendre. On va les garder. On va les garder juste au cas où. Solidifieur. On va pas beaucoup s'en servir, hein. Les maisons qui soient dans le thème du biome en question, il y a aucun biome slime. Donc ouais. Et on a un slimy saddle, donc on a une monture. On a une monture, on peut sauter super haut. Avec le slimy saddle, il amorce pas du tout, il amortit pas du tout les chutes, mais c'est pas grave. Et on a notre première monture, et ça c'est cool. Alors, maintenant qu'on a fait le King Slime, il serait temps pour... Ah oui! Oui! Oui, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il serait temps pour le grailleur de monde, mais j'aimerais bien trouver le gobelin parce qu'on a vaincu l'armée des gobelins, donc trouver le gobelin serait vraiment pas mal du tout parce que je pourrais enfin reforger mon bordel. Alors les potions de Danger Sense j'en ai pas, mais j'ai un Shark Fin et un Shark Fin on peut l'utiliser pour une potion de Danger Sense, non pas de Danger Sense, de Hunter pour voir les entités. Mais j'aimerais pas l'utiliser parce que on peut l'utiliser pour le Mega Shark. Mais non, mais c'est facile à obtenir. Oui, voilà, c'est super facile à obtenir, donc non, c'est bon, on peut faire ça. Potion de Hunter. Voilà, ça dure pendant 8 minutes. Ça me donne tout le temps de trouver le gobelin. Si j'ai de la chance, si j'ai pas de chance, bah le jeu il me dit fuck you, puis voilà quoi. Hunter, voilà, chose de question of enemies. Ça n'a pas l'air de marcher. Bataille brillant. Ah oui, si, ça marche, ça marche très bien. Ça marche très bien. Maintenant, il suffit de descendre doucement. Et de rester vigilant. Ah! Le voilà! Le voici, le voilà! On l'a trouvé! Salut! Alors. Hop, voilà. Maintenant, on peut avoir le Tinker's Workshop. Ça coûte cher! Et le Rocket Boots. Le Rocket Boots, putain, je peux pas acheter les deux. Si, je peux les acheter. Je peux pas. Je sais pas compter. Si, c'est bon, je peux. Je prends ça. Et je prends ça. Voilà. Deux Rocket Boots. Et j'aimerais bien réenchanter mon mini shark, si j'ai assez. Ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Et ça coûte combien de refaire ça? 4. Ouais. Deadly, ça me va. Large. Peut-être un peu mieux. Supérieur, ouais. Et le truc en platine, on s'en fout. Alors, bande en régénération. J'ai plus assez d'argent. Je suis officiellement pauvre. Mais c'est pas grave, on a le Goblin Tinker. Oh. Et attends, je me demande dans quel biome il vit le Goblin Tinker. Je crois que c'est Underground, mais je suis pas sûr. Bon, dans tous les cas, là, ma potion ne me sert plus à rien, donc juste continuer mon high level jusqu'à que je meure. Oh, platine. Excellent, ça. Excellent, et c'est un piège. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est un piège à con, quoi. Personne tombe dans ce genre de supercherie. Apparemment, il y a de la lave juste à côté, ça va être...
problématique. Mon ennemi, je vais crever comme un caca. Ah, bah voilà. Bah le caca est mort. Il reste un petit var ici, je vais m'en souvenir, mais je vais pas revenir le chercher. Hein. Ça prend trop de temps. Pour l'instant, je vais juste me contenter de déjà transformer tout le minerai que j'ai récupéré. Voilà, et de poser ça. De poser ce magnifique table de comment ça s'appelle, table de tinkerer. Voilà, j'ai 56 trucs de platine, ce qui veut dire que je peux m'acheter, enfin que je peux me crafter deux morceaux de pièces. Non, même pas, juste enfin si je veux crafter le plastron, je peux seulement le crafter une seule pièce. Ou je peux faire le casque et le pantalon. Je peux faire le casque et le pantalon et ça me donnera combien, du coup ça c'est moins 3. Donc ça me donnera un seul défense supplémentaire si je remplace le casque et le slibar. Et si je ramasse un peu plus de platine, je pourrais me prendre un set complet. Donc avec le plastron, j'aurai 31 de défense avec le truc que j'ai avec le stuff que j'ai en ce moment. Donc ouais, c'est rentable. C'est tout à fait rentable. C'est ce qu'on va faire. Oh, la musique de la pluie! La musique de la pluie, c'est la musique du... Ah... Putain, la nostalgie, hein. C'est la musique du tutoriel. Pour ceux qui ont joué à l'ancienne version mobile et la version console. C'est la musique du tutoriel, j'adore cette musique. C'est littéralement la première musique que j'ai entendue du jeu, en fait. Donc ouais, c'est cool. C'est extrêmement cool. Alors maintenant que j'ai la table, je peux prendre les rocket boots, ça. Et le aglet. Attention les guardings, ceux les brisques. Voilà, je peux faire les specter boots. Boom. Et ils sont fleeting. Bon, c'est pas glorieux, mais maintenant, je vais vite. Et je vole. C'est techniquement pas du vol parce que je prends toujours des dégâts de chute, mais maintenant je peux amortir les dégâts de chute. Putain, ça fait bien d'avoir plus de contrôle sur son mouvement. J'ai toujours pas trouvé de Cloud in a Bottle parce que c'est le truc que littéralement tous les youtubeurs trouvent en premier. Et moi je. Bah non, pas moi. Pas moi. Parce que moi j'ai. Parce que fuck moi. Ok, alors si je veux être ultra goldé au max, remarque, j'ai pas utilisé le Aglet, parce que il me faut le Anklet of the Wind. Et ça te donne 10%, c'est juste mieux en fait, c'est ça mais en mieux. On a beaucoup plus de... Ah là là, ah là là. Tous les vers de terre. Crafting, si je mets ça ici, Lightning Boots. Donc ça me rend encore plus, ça me donne plus de vitesse. Et les Anklet of Wind, ça se trouve dans le... Ah ! Dans la jungle. Dans la jungle, dans les Ivy Chests. Donc c'est ce qu'on va aller faire. On va aller dans la jungle. On va la visiter. Et je vais prendre du coup le Spelunker Potion pour voir où sont les chests. C'est parti. Ok, nous sommes dans la jungle, ça prend fois que je l'explore. Étonnant.
C'est bizarre. Mais bon. Je sais trouver un bon spot pour creuser. J'ai un truc qui descend quand même assez profondément. C'est du bambou, ça? Oui! C'est du bambou. On va faire des maisons ici. En bambou, du coup. Cet endroit-là m'a l'air pas mal. Spelunker. Et on y va. On a notre premier coffre qui ne contiendra pas le Eglise of Ruin parce que je n'ai jamais de chance, moi. Sûrement y avoir un Staff of Growth, enfin le truc qui fait pousser les fleurs là. Qui sert à rien du coup. Voilà, alors on va voir. On va voir. Ah, on l'a. Vas-y, excellent tout ça. On a plus besoin de... d'essayer de trouver des coffres comme un bâtard. De chercher comme un bâtard pendant 2 heures. On va continuer à explorer, on va prendre des jungle spores. C'est très bien les jungle spores. On va se faire l'armure en... L'armure de la jungle. Excellente armure pour un mage. Il n'y a pas plus de défense que de... pour le... Merde, je vais me noyer. Il n'y a pas plus de défense que le truc en platine, mais... Mais ça a des... Comment ça s'appelle? Il y a des... C'est le premier armure qui aura un... va multiplier, enfin qui va augmenter les dégâts d'une certaine classe. Donc c'est pas mal. Bouger, laisse-moi te tuer. Paix. Voilà. Et un Life Crystal, on est presque maxé. Oh non, les piranhas! Ok, tout va bien. Tout va bien. Ama a beaucoup de maniteurs. C'est un problème, ça. Oh! Jungle Torch! C'est vraiment stylé, hein. Ça ressemble beaucoup au truc du Plaguebringer. Non, c'est pas là où je voulais. Hein? La musique est différente. La musique est différente, ce qui est bien étrange. Ah, moi j'aime bien. Ramène ton cul. Je te... Oh, ils font mal. Oh, ils font mal. Ça parle hippopute, ils font mal. Voilà. Plus de vignes. Et dedans il y a Staff of Regrowth, voilà. Avec un œil de Toulou. Putain, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Wind Dispenser, je pourrais en avoir besoin. Cobweb, ouais, pas tant que ça. Ladybug, on s'en branle. Ça, j'ai quand même envie de les garder.
Voilà. Je pense qu'on est prêt pour rentrer. J'ai pas envie d'explorer plus, hein, j'ai peur de crever. Donc, on va juste rentrer. Quoique, oui, il y avait une spore là. Je vais aller les ramasser. Putain, tellement de spores. Ah! C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est juste le site. Ok, ils sont morts. Aïe. Aïe. Je vois rien, je vois rien, au secours. Non. Arrête, arrête. Eh merde, j'ai plus de... Oh putain, c'est ce truc. 20 secondes, je vais mourir en fait. C'est ça, vite, vite, vite. Je dois... Voilà. Est-ce que je vais toujours mourir, là? Je pense, ouais. Ok, non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Il y a tellement de... Il y a tellement de... C'est terrifiant, là, genre. C'est terrifiant! C'est terrifiant! On va des rétro. On va des rétro. Voilà. Mini Shark fait toujours le taf. Voilà, il faut éclairer tout ce qui se passe ici. Je vais prendre ce jungle spore que je me casse. Voilà, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. J'ai un billet par terre. Juste un peu d'argent. Voilà, excellent. Je restack. Alors, Honey Dispenser, on va mettre là. J'aimerais voir qu'est-ce que le Elderberry nous offre. En matière de craft. Smoothie of Darkness. Crystal Génération. Bah c'est cool, mais ça m'aide pas. Je vais reposer tout l'argent là. Voilà. Alors, Staff of Regrowth, c'est... Increase Alchemy Plant Collection, ça veut dire quoi ça? Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on a le Anklet of Wind et que maintenant on peut avoir... Oui, Lightning Boots, boum. Ils sont pas enchantés. Bruh. Mais non, non, on est extra fast maintenant. Super fast. Regardez cette vitesse. Sonic Speed. Oui, les Flippers aussi. Risk Flippers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Flippers? Parce que moi... Sonic Speed, les Flippers. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Frog Leg. Frog Gear. Ça a l'air stylé, hein. Ça a l'air pur stylé. Ouais, donc on va garder ça du coup par conséquence. Bam. Voilà. Alors, quant aux Vine, aux Vines et aux Stinger, je vais prendre les Stinger. Où sont les Stinger? Ils sont là. Alors, crafting. Snapthorn. C'est un fouet. Non, c'est un summon. Focus strike enemy to gain attack speed. Shirt. Blade of Grass aussi, hein. Je peux le crafter là maintenant. Mais 28, 19. Ah, c'est pas mal, hein. Comparé à.
un autre Lightsbane. Espawn. Un Ivy Whip. Est-ce qu'il est mieux le Ivy Whip? Peut-être, hein. Parce qu'il est moins. Il est moins long que le truc en diamant, mais sérieusement, le truc en diamant, il est juste trop long pour un grappin. En plus, ça a plusieurs, ça en a trois, je crois. Oh, c'est quoi ça? Void Bag. Oh oui! Void Void, oui, c'est le Ender Pouch et le Ender Chest. C'est 15 avec des os et des Shadow Scale. Donc j'ai peut-être envie de les garder finalement. Les vignes. Ouais, pas grand chose. Hein. Quoique, attendez, le j'ai pas regardé le Jungle Armor. Jungle Armor, alors. Et si, ça a plus de défense. Ça a clairement plus de défense que le truc en platine. Il y en a clairement plus là. C'est 5. Je peux le crafter maintenant, si je voulais, avec le truc en platine. Ouais, je sais pas. J'ai un peu envie d'aller retourner prendre quelques spores en plus. Ouais, allez, j'y vais. Et pour l'éclairage, on s'en fout parce que je fais un petit Night Owl. Et un Shine. Voilà. Et aussi, pas potentiellement, mais voilà, un mini potion. Il y avait déjà dans mon inventaire, je me demandais où il était passé. Ces potions, je les claque, ces trucs, je les garde. Ça, c'est des flèches, on les met là. Riche Magoni. Je posais là pour l'instant. De toute façon, on les retransforme en bois pour gagner plus de place. Voilà. Balance Silver, beaucoup plus efficace que les ballons risqués. Voilà. Deux dégâts en plus. Hein. Avec un knockback supérieur, je crois. Je crois que c'est un knockback supérieur, mais je suis pas sûr. Voilà. On y retourne. On y retourne. Alors, je vais ranger mon inventaire et on y va. Ok, nous y sommes. Hein. Il y a un trou plus ou moins profond ici. Je pense qu'on va commencer par creuser là. C'est parti. Gloop. 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 Voilà. Maintenant qu'on est luminescent, on n'aura plus à se faire chier à poser des torches partout et à perdre notre temps. Maintenant, il suffit de creuser. Non. Voilà. Le Spelunker aurait peut-être été utile, mais en vrai. Les Jungle Spores émettent de la lumière, donc c'est pas un problème. Oh, c'est Dr. Bones. Je veux l'achievement. Je veux l'achievement. Enfin, je pense que je l'ai déjà, mais juste dans le doute. J'espère que ma swing ne fait pas trop de bruit. Il n'y a pas d'auto-swing, hein, je rappelle, sur le Lightsbane. Hein. Elle a une chier de vie, hein. C'est qu'il en a une chier de vie. Allez. Oh. Voilà. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire.
Non. Quoi? Hein? Hein? Quand je... Quand je peux... D'accord. Ok. Non mais c'est... Ouais, c'est... Le bug persiste? Est-ce que le bug persiste? Le bug persiste. Est-ce qu'il peut... Ah si, eux ils peuvent, eux ils peuvent. Y a un truc avec les slimes à... Les slimes à épines. Ah, j'ai plus de buff, ok. Donc je vais rentrer chez moi. Alors, tout de suite. Voilà. Alors je vais prendre les potions. Et je vais les mettre en haut. Comme ça j'ai un coffre pour les potions et un coffre pour les ingrédients. Voilà. Comme ça, c'est pas le bordel. Tac, elle est où la chaîne? Voilà. J'ai une lanterne de cœur maintenant. Le rayon. Je sais pas c'est quoi le rayon, mais je vais mettre au milieu. Juste là. Voilà. La rechaîne. Non, du coup, maintenant, on a le chapeau de l'archéologue. Oh, c'est pas mal, hein. Mais est-ce que c'est mieux que les lunettes d'aviation de OX-33? Je sais pas. Franchement, ça change. On va les mettre temporairement. Alors maintenant qu'on a un cloud et de faire le cloud, et faire le cloud c'est pas mal ça. Crafting. Power Glove. C'est du hard mode. Et cloud in a battle. C'est cloud in a battle, voilà. Attends, un fart? Je peux le crafter maintenant là, non? Ouais, je peux le crafter, attendez. MDR. Fartinejar, c'est parti. Menaçant. Putain. La comédie a son pinacle. Je sais que c'est un mot en anglais, je sais pas si c'est un mot en français, mais je m'en branle. C'est mieux. C'est menacing, donc c'est mieux que le Royal Gel. Ah oui, c'est pour ça que je prenais pas de dégâts. C'est pour ça que je prenais pas de dégâts, mon Royal Gel. Oui, bien sûr, je suis... Suis-je bête? Suis-je bête? Mon voyage, je m'en fous en fait, donc on va le mettre là. Ça, franchement, j'en ai plus besoin. Enfin, c'est arcane, mais voilà quoi. C'est mort de monde. Du coup, maintenant j'ai plus de melee speed. Voyons voir. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est tellement rapide. C'est tellement rapide, j'adore. Et jungle torch. D'accord. Donc maintenant on peut crafter le... L'armure de la jungle. 3. Boum. Putain. Du coup ça j'en ai plus besoin. Alors. Jungle hat, c'est plus de critical strike, donc plus de DPS. Moins de mana, 16% quand même. Critical strike chance. Ok, c'est tous des critical strike, c'est pas des dégâts. Putain. Attends, c'était quoi avec. C'était 19. Hein. Non, pas 19. 21. Avec ça, c'est 24. Ah, on défonce, hein. On défonce. Hop.
50 tirs. On peut faire 50 tirs ininterrompus. C'est fou quand même, non? C'est quand même pas mal. Oh oui, les barres. Les barres, regardez ces barres, comme ils sont sexy, ces barres. 50 tirs ininterrompus, vous en rendez compte? Putain. Incroyable. Hein. Incroyable. On a bien... Je dirais qu'on est bien avancé aujourd'hui. Il est 3h du mat, c'est... Ouh, j'ai bien envie d'essayer un œil de Cthulhu, hein. Un speed kill d'œil de Cthulhu. Est-ce qu'on peut le faire? J'espère. Oh oui. Oh oui. Non, 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 alors ça, c'est pas là. Non, ça, je peux essayer. C'est difficile. J'ai combien de DPS là? Bon, il faut que ça s'aligne. Voilà, presque, presque une centaine. Et avec le mini shack, j'en ai combien? Plus ou moins la même chose. Donc on est au même niveau avec le mini shark. T'as comment on va le rect le grailleur de monde avec notre... Ah oui, c'était 4h du mat. C'était 4h du mat. J'oublie tout le temps, je confonds tout le temps, je croyais que c'était 7h. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut... Oh, oh. On peut aller faire le gardon, là, tout de suite. Voilà, c'est parti. Ramène-toi. Aïe, non, non. Ok, il me fait pas autant de dégâts qu'avant. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Putain. Mon magic power c'est enlevé. Ok, je dirais que je m'en sors plutôt bien là. Vite, régénère-toi, régénère-toi, mana de... Aïe. J'ai 3 Shadow Scale. J'espère que c'est pas tout ce que je... Non. Est-ce que c'est mieux à la surface, je pense. Leur corps me font un de dégâts, donc c'est bien, je crois. D'accord. Bah, écoute. Je suis pas prêt, alors. Ouais. Savage. Ouais. Voilà. Non, j'ai une meilleure pioche. On peut le faire, hein, le boss. Hein. On peut le faire. On peut le faire très facilement. Faut juste que j'ai des bons buffs au bon moment. Puis il faut que je construise une arène dessus. Ce que je ferai dans le prochain épisode, au début, faire un petit timelapse. Mais pour l'instant. Pour l'instant, ça fait 2 heures que j'enregistre, hein. Ça va probablement être une vidéo de 30 minutes ou un truc comme ça. Mais ça va faire 2 heures que j'enregistre. Donc ouais, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Donc voilà, fin de l'épisode. On a beaucoup changé depuis le début de l'épisode, hein. On peut voir notre style. Beaucoup plus, beaucoup mieux la bouteille, est-ce que je la laisse.
Non, je vais mettre. Non, pas les shackles. Ça. Ouais, on peut mettre ça. Ça aussi. Et ça, ouais, voilà. On est bien là. Voilà. Un épisode. Likez si vous avez aimé, s'il vous plaît, ça me ferait beaucoup plaisir. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre. Terra Journey Zen étant ma série, la série que je, dans laquelle je mets le plus d'efforts, hein, celle que je monte les mieux. Et ma préférée aussi. Donc, ouais, likez si vous avez le pouvoir de liker, hein, si vous êtes connecté à votre compte, un truc comme ça. Abonnez-vous, voilà, laissez un commentaire pour que je sache de quoi vous pensez de ma vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut !